81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Je suis père de 3 filles. Quand on lit que 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics, ça fait peur, tout simplement, très peur. On aura beau les avoir élevées comme des femmes libres, des femmes fortes, elles vont sans doute croiser quelqu'un sur leur chemin qui viendra casser cette belle confiance qu'on a construite jour après jour. On ne devrait pas avoir à les préparer à ça. Et pourtant, il faut encore le faire. Il faut préparer aussi celles et ceux qui seront témoins de ces situations de harcèlement. Leur rôle, votre rôle, peut être décisif. En intervenant, vous pouvez faire cesser une scène de harcèlement. Il suffit parfois, eh bien, simplement de détourner l'attention du harceleur. Demandez-lui l'heure, votre chemin, le distributeur le plus proche. Faites tomber même un objet devant lui. Vous pouvez aussi faire semblant de connaître la personne victime de harcèlement et venir vous adresser à elle. Tout ce qui pourra interrompre la situation et permettre à la victime de repartir la tête haute. Aujourd'hui, un seul mot d'ordre, agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Tous concernés avec Stand Up. Agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Témoins ou victimes, informez-vous sur standup-france.com.